qu'il y a? Je suis en train de faire un poker, là. Ah ouais, t'as des clients. Hé, hey, je suis fermé, là. Attends, il ressemble à quoi? Je sais pas, moi, une nana punk, hein. Ouais, je suis fermé. Ils jouent au poker. Je pourrais peut-être jouer avec eux. Un poker. Voyons voir où tu te caches. Ça y est, je te tiens. Eh, c'est quoi ça? Il y a quelqu'un d'autre qui trace l'appel. Ça doit être des fixeurs. Hé, hey, tu vas pas le croire? J'ai trouvé l'autre là. Tobias, tu sais? Je vais le chercher tout de suite. Les voilà. Ils vont bientôt le retrouver. Je dois les arrêter. J'avais raison, il est parano. Mais je l'ai trouvé. Tu veux y aller tout seul, c'est ça? Je comprends. On se retrouve sur l'île. On va aller se faire un petit poker avec Tobias Frost. Il n'y a que lui qui peut me faire entrer sur l'île de Clara. Thank you.
de poker illégal dans le coin. Grosse surprise. Tobias doit être l'un d'entre eux. C'est parti. Qui t'es, toi? Je te connais pas. Je le connais pas. Du calme. C'est toi, Tobias? C'est pas tes oignons. Bon, je vais prendre ça pour un oui. Non, prends ça comme un « c'est pas tes oignons ». Eh, t'es agressif comme mec. C'est pour ça que Bloom t'a viré? Tu te trompes de personne! Je veux pas te faire de mal! Attends. J'ai juste besoin d'un truc. Après, je te laisse filer. Non, pas moyen. Il faut le savoir. Je suis pas avec eux. Pourquoi je devrais te croire? Parce que je pourrais te tuer et me servir. C'est pas une réponse, mec! Bon, écoute. Je bosse pas pour qui tu crois. Cette conversation restera entre nous. Y a pas d'alim au bunker. Rien. Pas de courant, tu piges? C'est devenu un vrai cimetière. D'accord. C'est pas très grave. Maintenant que j'y pense, c'était déjà comme ça, hein, un cimetière. Tous ceux qui se sont approchés de cette merde, on a tous un pied dans la tombe. Mais ça va. C'est tranquille ici. Enfin, je crois. Mais oui. Tobias. Tu veux bien me donner la télécommande? S'il te plaît. C'est moi qui l'ai fabriquée. La télécommande. Oui. C'est ça mon truc, moi. Je bricole. Et c'est très bien.
Allez, donne-la-moi. Oui. D'accord. Ça roule. Tiens, prends. Merci. C'est à lui, patron. Elle est lourde, hein. Ouais. Et crois-moi, ça va devenir de plus en plus lourd. Eh, dis. Si t'as besoin de quelque chose, n'importe quoi, hein, viens me trouver. Parce que je bricole, moi. Ça marche. Je pourrais très bien devenir aussi taré que Tobias. Je suis déjà recherché par les mêmes types. Ici la police, votre urgence s'il vous plaît. Hey, c'est grave ce qui se passe ici, envoyez la police. Allô ? Jette-moi vous êtes ça. Toujours là ? Allô ? Oh non, non ! Non ! Je pourrais très bien devenir aussi taré que Tobias. Je suis déjà recherché par les mêmes types. Et puis maintenant je suis SDF moi aussi. Mais il a pris des médocs ou de la drogue. Si j'étais lui, je ferais gaffe. Il est recherché par les fixeurs. Et s'il le retrouve, qui sait ce qu'ils lui feront. Et au fait, Maurice m'a gentiment donné des coordonnées. Il a l'air convaincu que tu trouveras quelque chose. Il dit que si tu veux des réponses, tu vas devoir suivre sa piste. J'ai aucune idée de ce qu'il veut dire, mais je pensais que ça pourrait t'intéresser. T'as eu raison. On progresse. Il veut que je comprenne pourquoi il a fait ça. Trouve-lui une récompense ou quelque chose, ok? Quoi? Je lui donne un cookie? Je sais pas. Sois créatif. Un justicier sévit actuellement dans les rues de la ville et nous voulions l'avis d'un expert. Nous recevons le docteur Diana Bertrand qui est criminologue à New York. Docteur, que pensez-vous de ce justicier? Typiquement le complexe du héros standard. De plus, les médias le maintiennent dans son délire. Il parle de lui. Lui, il lui attribue un surnom, il documente chacune de ses actions, tout ça, ça l'encourage. Il ne cherche pas à aider qui que ce soit à part lui-même. Nous sommes face à une personne égoïste, voire narcissique. Son obsession, qui consiste à dire qu'il est capable de nettoyer la ville mieux que les professionnels, va de manière inéluctable déboucher sur des accidents, voire des meurtres. Alors comment faut-il faire pour s'en débarrasser? Une arrestation. Ou la mort. C'est ici. Si le type compte faire quelque chose, ce sera pas loin. Désolé. Il est là ! Les résultats du dernier sondage de WKZ sont sans appel. Le justicier n'a jamais été aussi impopulaire. La police a noté une augmentation soudaine des crimes perpétrés par ce dernier. Je vais t'expliquer. Stop. Ah, tu kiffes ? Quelles que soient ses motivations, la curiosité du public envers l'homme mystérieux se transforme rapidement en une haine profonde. Non, je vous en prie.
pute! Lâche-moi la lampe! Casse-toi! Oh mon Dieu! Il est armé! Halluciné, il leur a pris un peu de quoi ? J'espère que la marchandise est intraçable. Je me doutais que tu reviendrais. Tu vois, je t'avais dit que je savais bricoler. J'en étais sûr.
le bunker. Clara compte énormément sur cette légende. Et Tobias avait l'air d'en avoir peur. Le côté mythique de l'endroit m'intéresse peu. Mais si ça peut m'aider à retrouver Nikki, alors pourquoi pas? T'as retrouvé Tobias? Ouais, ouais. Et alors? On a joué au poker, on a discuté gentiment. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Clara, le bunker existe. Je te l'avais dit. N'y va pas sans moi, j'arrive tout de suite. T'inquiète pas, je dois encore rétablir le courant. Ensuite, faut trouver une entrée. On se voit bientôt. Thank you.
2. J'ai entendu le générateur se mettre en marche. Il va falloir plus de courant que ça. Tu peux chercher l'entrée. Comment Bloom a pu planquer un endroit pareil? J'espère qu'il y a un ascenseur secret. On appuie sur un bouton et le sol s'enfonce dans une base souterraine. Quoi, sous l'eau? On est sur une île. Ah oui, pas bête. En haut, alors. Un des immeubles. Je continue à chercher. Presque fini. Quand on y sera, tu pourras nous connecter au réseau. Attends, pour moi, c'est un rêve qui se réalise.
Si je foire le coup, je t'autorise à déchirer ma carte de hacker. Attends, t'as vraiment une carte de hacker? Fais-nous entrer. Et peut-être que je te la montrerai un jour. J'y travaille. Les générateurs sont là. Je vais pirater la porte. Thank you.
se réactiver. Attends-moi. Pourquoi? Ça craint rien. Personne n'y a accédé depuis des années. Pourquoi? Parce que je veux voir ta tête quand on ouvrira la porte. C'est sympa ici. Tu vois? Qu'est-ce que je t'avais dit? Je savais bien que j'avais raison. Clara, il faut qu'on fasse un pacte. Personne ne doit savoir. En tout cas, jusqu'à ce que j'aie fini. Bien sûr. Bon, voyons si on peut rallumer tout ça. J'y vois rien du tout. Tu pourrais allumer ? Vas-y, croise les doigts. Que Bloom a pris le gros du hardware, mais les connexions, c'est ça le plus important. Voilà. On peut nous repérer ici? C'est un site sécurisé, conçu pour être intraçable, incraquable. Ouais, on est pourtant sur le point de le craquer. J'ai besoin de savoir d'où vient cette adresse IP. Laisse-moi voir. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? C'est juste une piste, c'est tout. Comment Damien a trouvé ça? C'est plutôt bien caché. Toutes les entrées sont fermées. On dirait que ça vient du quartier de Rossi-Fremont. Le territoire des Viceroy. Là, la télésurveillance. Je peux m'en servir pour voir à l'intérieur. Tu peux me connecter d'ici? Non, ils sont complètement séparés du réseau. C'est très bizarre. Si je peux pas le faire d'ici, je vais me connecter à la source. Tout sera opérationnel avant ton retour.
Il faut d'abord que je trouve un accès au réseau CityOS. Celui-là.
Là, regarde. Les mecs recherchés par la police. Chicago n'hésite pas à multiplier les heures supplémentaires non rémunérées pour capturer le justicier. Cette initiative a été prise suite à la recrudescence d'appels demandant l'arrestation du dangereux criminel. Cet homme étant désormais le dossier épineux de la police et du CTOS, devons-nous nous attendre à une surenchère des actions policières? Les autorités nous assurent qu'elles envisagent toutes les possibilités sans pour autant préciser lesquelles. Ici la police. Quelle est votre urgence, s'il vous plaît? Ouais, envoyez des policiers. Tu t'as cru que tu pouvais me parler comme ça? Allô? Il faut que vous restiez en ligne. Allez, on se calme. On se calme. Je comprends pas comment la police a pu laisser une fusillade éclater pendant le match. Opérateur Bloom, j'écoute. Ouais, veuillez répéter. Lâche ton téléphone. Opérateur Bloom. Promis, je dirai rien, vous avez ma parole. Hé, vous là! Ne pas ça, toi, connard! Faites gaffe. T'excuses pas surtout. Te gêne pas. Tous nous buter! C'est quoi ce plan? C'est ta merde! Ils sont où?
Ça va aller, ouais. Hé, hey, faites attention, là. Les autorités portuaires ont saisi un conteneur chargé de matériel d'armement valant plusieurs millions de dollars. Le chargement venait d'Europe centrale. Les circonstances de son arrivée ne sont pas claires. La police dit qu'il s'agit d'une opération de grande envergure, sans nous en dire davantage. De toutes pièces, et c'est moi qui prends les décisions. Qu'ils se rendent bien ça dans leur petite tête. Ils ont pas leur mot à dire, pigé. Alors tu me le vires. Et avec lui, tous ceux qui l'ouvrent un peu trop. S'il le faut, je peux faire leur boulot en plus du mien, de toute façon. Il tient aussi au besoin. Avec assez d'argent et les bons contacts, n'importe qui peut faire disparaître n'importe quoi. Ce genre de fixeur ne vaut pas mieux que les exécuteurs de la pègre ou que des membres de gang. Des tueurs, rien de plus. Et c'est comme ça que je les traiterai. De là. Non, non, s'il vous plaît. Hush. Là, je suis sacrément en rôle. J'arrive pas là. Eh merde. Sors de là! Oh!
Dégage, allez.